Ce mercredi 15 septembre, les téléspectateurs ont pu découvrir un nouvel épisode de l'émission Cauchemar en cuisine. Sur M6, l'émission est souvent le théâtre de scènes qui deviennent cultes. La semaine dernière, le chef Philippe Etchebest, qui officie également comme juré dans la célèbre émission Top Chef, s'est ainsi retrouvé face à une chef et son patron, Sandrine et Alexandre, totalement dépassés par les événements. Ainsi, le chef s'est prêté au jeu de la traditionnelle inspection de la cuisine et il n'a pas été déçu. Point. Au menu, des frigos avec des produits périmés comme un parmesan couvert de moisissures. Des tranches de jambon suintantes, de la crème fraîche pourrie. La saleté était telle que le chef du restaurant 4e mur a fini par exploser de colère en face des deux participants. « J'espère que je ne vais pas tomber malade », a-t-il d'abord lancé entre deux hauts le cœur. Avant de perdre son sang-froid. « Sérieux, vous n'avez pas honte ?» a-t-il alors lâché face aux participants. La séquence avait été vivement commentée sur la toile. Les internautes n'ont pas manqué de la tourner en dérision. Avec l'humour qu'on leur connaît, c'est tellement un carnage que même un homme qui n'a jamais cuisiné de sa vie doit pouvoir percevoir les problèmes. Aujourd'hui TP sur le développement des bactéries sur les matières organiques, pouvait-on lire. Dans le nouvel épisode de ce mercredi 15 septembre, c'est une toute autre séquence qui a fait réagir les téléspectateurs. En déplacement en Isère, Philippe Etchebest est parti à la rencontre de Béatrice et son compagnon Patrice. Le duo a ouvert un restaurant il y a près de 2 ans et fait aujourd'hui appel au célèbre chef. Au cours de l'émission, une séquence a particulièrement retenu l'attention des internautes. En effet, la participante a été particulièrement surprise par une réflexion du chef bordelais. Cette scène a fait mourir de rire les internautes qui ont rapidement détourné l'image de Béatrice sortant de la cuisine. « Quand ta mère regarde si tu fais bien tes devoirs sans faire de bruit, viens le chef t'appelle. Quand tu as pourri les toilettes et que tu sors en espérant que personne ne va passer après toi. » A-t-on notamment pu lire. Cauchemar en cuisine, une source d'inspiration inépuisable pour les internautes.